Bienvenue sur le ISCP Live. Bonjour Gabriel. Bonjour Carla. Au programme aujourd'hui, vous allez découvrir le travail des étudiants en deuxième année de journalisme à l'ISCPA de Toulouse. Un travail de longue haleine, n'est-ce pas Gabriel? Tout à fait. Pendant 3 mois, nos étudiants ont réalisé une série de reportages ainsi qu'un long travail de documentation. Notre ISCP Live va être découpé en 3 parties. En premier, notre rubrique société. Ainsi que l'économie et la santé. Allez, sans plus tarder, on commence. La parole à Sharon Rouanet et Sam Klein. Merci Carla, merci Gabriel et bienvenue dans notre rubrique Société où cette année nos étudiants ont été particulièrement inspirés pour leur web documentaire. On passera en revue 4 sujets passant du retour des loups en Lozère jusqu'aux manifestations contre la 69. Tout à fait Sharon, on verra aussi la construction d'une nouvelle prison du côté de Muret ainsi que l'inclusion du handicap par le sport. Tous ces sujets, les étudiants les ont traités sur différents terrains de reportage. Lesquels sont-ils ? Quelles infos ont-ils obtenues? Et encore d'autres interrogations seront traitées par nos différents journalistes. Nous recevons Julie Némette et Laurine Méol sur le plateau, ainsi que Lucien Labreuil que nous retrouverons tout à l'heure. Elles ont décidé de nous parler du retour des loups en Lozère. Éleveurs en colère, mais aussi défenseurs de la cause animale, se divisent au sein du département. Laurine, Julie, à vous de nous éclairer. Merci Sharon. Bonjour à tous. En effet, nous avons travaillé sur le loup en Lozère et les conséquences de son retour. C'est une source de polémique pour la population locale. Bonjour Sharon et merci à tous. Nous avons en direct Lucien, notre journaliste envoyé spécial en duplex. Lucien, m'entends-tu? Il est actuellement dans la forêt du Mercoir en Lozère. Lucien, peux-tu nous en dire plus? Oui, merci. Bonjour Laurine. Je suis actuellement dans la forêt du Mercoir, tout proche du Mont Lozère. Je suis parti à la recherche du loup depuis son retour. Car en effet, en France, le loup disparaît dès 1930 à cause de l'homme. L'IR apparaît petit à petit à partir de 1992, à partir des Alpes et de la Grande Plaine européenne. Aujourd'hui, aucun massif de la France n'est épargné, que ce soit les Vosges, les Alpes, le Massif Central, le loup y est présent. Même depuis quelques années, on observe des incursions de loups espagnols dans les Pyrénées. En Lozère, la présence du loup est avérée depuis 2012, que ce soit sur la cause du Méjean ou sur la Margeride. Pour autant, cette réapparition s'accompagne de controverses, que ce soit entre éleveurs et écologistes, car pour certains, il représente le symbole de la bestialité, alors que pour d'autres, il représente tout simplement la nature qui reprend ses droits. Mais Julie, dis-moi, connaissons-nous le nombre exact de loups en Lozère ? Pas vraiment, Lucien. Le loup est une espèce sauvage. C'est assez compliqué de connaître exactement le nombre d'individus. Mais nous avons réussi à joindre Cédric Giral, le représentant de l'OFB, l'Office français de la biodiversité. Il nous a expliqué que le loup, il est capable de parcourir 80 à 100 km en une seule journée. Du coup, il y a des loups seuls et des loups en meute, environ 7 individus en Lozère, une meute de 7 individus en Lozère. La population de loups lozérienne est estimée à 10 à 15 individus. Mais comme tu l'as dit, Lucien, le loup, il se déplace, il migre. Et du coup, il y a des loups espagnols dans les Pyrénées, des loups italiens dans les Alpes. On ne sait pas totalement combien il y en a,
Donc le chiffre de l'OFB n'est pas forcément encore d'actualité. Malgré sa présence, c'est normal que je ne trouve que des traces. Regarde ce que je viens de trouver. Une trace de loup. Eh bien Lucien, oui, figure-toi que des indices nous permettent d'estimer la population sur le territoire. Les principaux indices qu'on peut retrouver sont des pièges, des empreintes comme celles que tu as d'ailleurs trouvées Lucien, ou encore des carcasses de proies sauvages. C'est une espèce sauvage, donc forcément, elle laisse des traces. Nous avons donc pu rencontrer Manuel Atman, le président de l'association Alliance avec les loups. Ce dernier estime que les loups sont des espèces, sont des prédateurs et doivent donc attaquer pour se nourrir et donc pour survivre. Même si c'est un animal sauvage, on ne peut pas vraiment lui reprocher ses attaques. Ils se déplacent en meute, ce sont des animaux très intelligents qui sentent le danger et qui fuient à la moindre trace d'un éleveur. Mélorine, en quoi ce retour gêne-t-il les éleveurs ? En effet, Lucien, que pensent les éleveurs dans tout ça ? Nous sommes partis à la rencontre de Michael Tichit, un éleveur d'ovins dans le Charzel, en plein cœur de la Lozère. Depuis 2002, il est malheureusement victime des attaques du loup sur son troupeau. Il évoque que face au loup, il est impuissant et très vulnérable. En effet, pour lui, la seule solution serait de rentrer ses bêtes la nuit afin de les élever en batterie. Une solution inenvisageable pour le fermier qui lutte chaque jour pour élever ses bêtes en plein air. Toutefois, il se bat contre le loup, contre le retour du loup, en organisant notamment des rassemblements chaque année au Mont Mouchet avec des personnalités emblématiques anti-loup comme Bruno Lecomte. Il n'appelle pas à tuer le loup comme certains pourraient le penser, mais à réenvisager une solution viable pour lutter contre les attaques et éviter d'autres victimes. Il nous a d'ailleurs évoqué avec émotion lors de notre rencontre sa seule victoire face au loup, sa brebis numéro 80334. C'est la toute première qu'il a malheureusement retrouvée blessée, il y a 2 ans. Elle était complètement éventrée et attendait ses 2 agneaux. On pouvait même apercevoir les 2 fœtus. Michael nous a confié « J'ai dit au vétérinaire de se débrouiller que je ne voulais rien savoir, qu'il fallait absolument qu'il la recouse. » L'animal est finalement sauvé et donnera naissance à ses 2 agneaux 2 mois plus tard. Sa vie de famille a été malheureusement mise à rude épreuve, surtout cet été, car l'éleveur a dû dormir dehors de juillet à novembre pour protéger son troupeau. Sa femme était alors enceinte à cette période. Michael nous confie espérer un jour ne pas devoir faire un choix entre sa famille et son troupeau. Et l'État dans tout ça, il fait rien pour protéger les troupeaux ? Eh bien Lucien, figure-toi que si, l'État met en place de nombreuses indemnités pour aider les éleveurs. Après chaque attaque lors d'une perte d'animal, il donne à l'éleveur une somme d'argent. Le montant peut différer en fonction de la race, en fonction de l'âge, du sexe, d'un possible label, appellation ou même encore du domaine dans lequel il se destine, que ce soit viande, fromage, lait. Donc à part ça, le gouvernement il veut trouver des solutions. Il va encourager les éleveurs à acheter un chien de protection, à poser des barrières électrifiées, à augmenter le gardiennage. Malheureusement, beaucoup d'agriculteurs trouvent que ces mesures sont inefficaces, inutiles, et ils estiment qu'en fait elles ne servent qu'à à aider le loup à les contourner en fait, parce que ça l'entraîne. Donc la seule solution qu'ils trouvent viable, en fait, ce serait, comme Laurine l'a dit, de les mettre en batterie, enfermés. Mais finalement, en fait, ce type d'élevage n'est pas du tout en accord avec un élevage respectueux de l'environnement ou un élevage pastoralisme traditionnel. La DDT, la Direction départementale des territoires, nous a confié que, d'après eux, le nombre de brebis tuées par attaque a drastiquement baissé. Il y a peu, le gouvernement a donné le droit aux éleveurs de tirer sur les loups. Donc c'est pour se défendre, mais c'est une mesure très controversée qui fait parler en Lozère. Les associations et les éleveurs souvent sont contre parce qu'ils ne veulent pas tuer le loup, ils veulent une meilleure régulation. Mais Julie, de ce que je comprends, on autorise bien à tuer une espèce protégée ? C'est plus compliqué que ça, Lucien. D'un côté, il y a les éleveurs qui veulent survivre et continuer d'exercer. Et de l'autre, il y a les associations qui défendent les espèces protégées et menacées. Ils défendent la biodiversité, la survie de l'espèce. Comme d'ailleurs, c'est écrit dans la Convention de Berne. La présence du loup, elle dérange beaucoup les éleveurs. Et parce qu'il y en a même certains qui ont dû arrêter d'exercer. Du coup, il leur faut forcément un moyen de se défendre. Et donc, il y a le plan loup du gouvernement qui a autorisé les tirs. Mais c'est souvent que pour dissuader le loup ou pour l'abattre, mais que si la situation présente un réel danger.
Donc cette mesure, elle est exceptionnelle. Et d'après Michael Tichy, donc notre éleveur, personne n'a envie d'ôter une vie, même si c'est celle d'un loup. Un sujet local qui cause de nombreux conflits, comme un autre sujet plus médiatisé, celui-ci, à une centaine de kilomètres de là. Vous en avez sûrement entendu parler, un bras de fer est mené depuis plusieurs mois maintenant entre habitants locaux et autorités locales. Un conflit à coups de manifestations contre l'aménagement de l'autoroute A69 entre Toulouse et Castres. Luna Gutiérrez, Irena Aété et Mayouen Estingua se sont rendus sur le terrain pour nous en parler. En effet, merci Sam, nous avons travaillé sur la radicalisation de la lutte contre l'A69 et nous avons remarqué que la condition de journaliste en manifestation est particulière. Nous nous sommes rendus à la manifestation Ramdam sur le Macadam le week-end du 21 octobre à Saïx, près de Castres. Le rendez-vous était donné depuis des semaines par tous les collectifs écologistes. L'objectif, un rassemblement massif pour lutter contre l'autoroute A69, soutenu par la présidente de la région, Carole Delga, les laboratoires Pierre Fabre et le constructeur Atosca. Pour les journalistes, c'était aussi le moment de rencontrer des militants, de montrer l'organisation sur le terrain, bref, de toucher à la lutte et de comprendre chaque point de vue. Mais pour certains, c'était surtout l'occasion de diffuser les images sensationnelles des 30 minutes de débordement qui ont eu lieu samedi. Dans une société d'images, le journaliste doit rapporter des faits et surtout du clic, et la forme peut prendre le dessus sur le fond. Entre les violences et le rejet des militants, trouver sa place de journaliste est compliqué. Il faut déjà se préparer à la violence. Les militants comme les reporters s'attendaient à un dispositif policier énorme, semblable à celui de Sainte-Soline. Tout le monde était surprotégé, avec des casques, des masques à gaz, des lunettes de ski et même des genouillères. Pour les journalistes, un gros sigle presse est de rigueur. Une collègue nous a même conseillé de partir car nous n'étions pas assez protégés et que la manifestation était trop dangereuse pour des débutantes. Nous avons eu effectivement peur sur place d'être blessés comme d'autres manifestants. J'ai remarqué que c'est cette attente presque fataliste de la violence qui crée les débordements. Une manifestation pacifiste est une manifestation ratée qui ne fera pas les gros titres. Il y a cette volonté de vivre et de montrer l'adrénaline ressentie sur le terrain. Dans son livre « Le vertige de l'émeute » de la ZAD de Gilets jaunes, Romain Huet explique l'importance de l'expérience sensible vécue en manifestation. La lutte idéologique s'y transformerait en une lutte physique, faisant appel directement à nos émotions et à nos sens. Alors, les images de blessés, d'usines envahies et de grenades lacrymogènes envahissent les plateaux télé. La violence est vue comme le seul moyen de se faire entendre par les manifestants. Cela entraîne peut-être cette escalade de la violence en détournant le débat sur la légitimité de telle ou telle action. Et la forme a pris le dessus sur le fond. Il faut s'attendre à ce que les manifestants vous fuient comme la peste à partir du moment où vous prononcez le mot journaliste. Ils ne parlent qu'aux médias indépendants, les seuls en qui ils ont confiance. Ils refusent de donner leur nom et d'être enregistrés. Les visages doivent être floutés. C'est la condition pour approcher les groupes les plus radicaux. Ce n'est pas tant par peur des médias ni par refus du dialogue. La plupart ont simplement peur des conséquences juridiques et la peur d'être surveillée par les autorités est très ancrée dans le milieu. Luna, tu t'es concentrée sur les raisons qui poussent les écolos à la radicalisation. Merci Mayouen, c'est exact. Face à l'inaction climatique du gouvernement, les actions militantes s'intensifient. Du simple rassemblement à la ZAD, l'urgence climatique entraîne la radicalisation. Les opposants auront tout tenté pour contrer le projet de l'A69, des moyens juridiques à la grève de la faim. Mais pour le collectif écologiste des soulèvements de la Terre, face au changement climatique, le temps presse, il faut agir. D'autres groupes comme celui-ci veulent établir un rapport de force sur des luttes localisées. Pour cela, il compte sur le nombre et la diversité de personnes qu'il rassemble. À Saïx, 10 000 manifestants sont invités à redevenir des acteurs du changement, notamment en utilisant des moyens comme la désobéissance civile. Oui, merci. Bonjour Laurine, je suis actuellement dans la forêt du... Oui, merci. Donc... Un petit problème technique est survenu et la vidéo commence. Parfait. Donc certains activistes disent avoir désarmé des installations, des camions toupies ont été brûlés et d'autres matériaux endommagés. Pendant ce temps, une ZAD est créée sur le chantier et si elle n'avait pas été délogée le lendemain, elle aurait pu empêcher la poursuite des travaux. La radicalisation, elle vient parce que nos gouvernants ont les oreilles sourdes. Il faut se méfier de la jeunesse quand elle n'a plus d'espoir, parce qu'elle est capable de tout. Il faut rappeler qu'en désobéissant, ces militants mettent leur intégrité en jeu pour empêcher le projet de l'A69. Les militants sont conscients des risques d'arrestation et de violence qu'ils encourent. On a vu avec Sainte-Soline comment la défense des intérêts industriels était importante pour l'État. De retour à Saïx, beaucoup nous ont parlé de leur colère et de leur traumatisme après cet événement.
Il est clair que la répression ne fait qu'augmenter le climat de violence sur les mobilisations. L'écologie est une cause qui ne peut être défaite. Nous sommes tous et toutes concernés par le réchauffement climatique. Les idées écologistes gagnent de plus en plus d'esprit. Les soulèvements de la terre ont réussi à concentrer dans la lutte les agriculteurs, les syndicats, la jeunesse et les scientifiques. Et c'est peut-être grâce à cette capacité à rassembler que le gouvernement a peur de ces mouvements. Merci. Merci Luna. Alors, nous l'avons compris grâce à ces différentes interventions, la lutte pour l'A69 s'intensifie. Que l'on soit pour ou contre le projet, chacun défend son opinion avec ardeur. Pour s'en rendre un peu plus compte, nous vous proposons un petit vrai ou faux. Alors attention, première question. Pensez-vous que pour défendre leur lutte, les militants se sont enchaînés à une abatteuse en action? Et pensez-vous que face à ces actions, la justice et la police peuvent réagir de façon violente? Le jour où j'ai annoncé ma grève de la faim, en fait, j'étais encore libre et j'ai tenté une énième action, donc en m'enchaînant à une machine de coupe d'arbres en mouvement. Et énième action que j'avais évidemment mal calculée, qui m'a amenée en garde à vue pour plus de 24 heures et j'en sors avec un contrôle judiciaire, m'interdisant de me rendre sur les lieux de toutes les communes concernées par le tracé, donc je ne peux plus soutenir physiquement la lutte. Eh bien, comme l'attestent malheureusement ces vidéos, cela est vrai. Au cœur de la lutte, nous avons Olga, 21 ans, qui pour se faire entendre, a effectué une grève de la faim pendant 26 jours. Pour encore plus montrer son refus contre ce projet, elle a ensuite tenté une action audacieuse en montant sur une abatteuse en marche pour empêcher la coupe d'un arbre. Il faut également savoir que Olga est la deuxième personne à avoir entamé une grève de la faim après le célèbre Thomas Braille. Ces deux personnes ont été ensuite rejointes par 6 camarades, des militants qui expriment leur non-limite dans leur contestation. Face à ces actions, la justice peut parfois intervenir de façon violente, comme on a pu le constater à la fin de cette vidéo. Il faut également signaler que lors de la manifestation dans le Tarn, 1600 gendarmes et policiers ont été déployés pour encadrer les opposants Luna et Maiwen. Vous étiez sur place, est-ce que vous comprenez que les opposants se radicalisent de plus en plus? Et est-ce que vous avez senti une agressivité de la police? Alors du coup, moi, pour avoir parlé avec les gens, ils se radicalisent parce qu'il n'y a plus d'autres moyens. Ils ont essayé tous les recours juridiques, ils ont fait des pétitions, mais cela n'a pas marché. Donc en fait, ils nous disent qu'il ne leur reste que la mobilisation pour faire en sorte que ce projet ne passe pas. Et sur la police, on a vu qu'il y avait quand même des usages de grenades qui étaient vachement disproportionnés par rapport aux militants, par rapport à la masse de personnes qu'il y avait. Donc c'est vrai qu'on a eu, beaucoup de grenades lacrymogènes pour peu de débordements en fait. Ça a été presque gratuit. Merci Luna. Alors attention, deuxième question. Pensez-vous que des mensonges de la part des politiciens auraient été prononcés publiquement? Vingt drones ont été utilisés par ceux qui voulaient en effet coordonner les actions de lancer de pierres, de lancer de cocktails contre les policiers et contre les gendarmes. Aussi étonnant que cela puisse paraître, cela est vrai. La bataille de l'A69 se déploie sur tous les fronts et encore une fois avec tous les moyens. Alors des politiques comme M. Darmanin, ministre de l'Intérieur, mêlent communication et propagande pour défendre son opinion. Pourtant, ces déclarations se sont avérées fausses. Maiwen, pourquoi est-ce que tu penses que les politiques aient besoin d'utiliser ce genre de moyens pour exprimer leur opinion? Et encore une fois, tu étais sur le terrain lors de la manifestation. Est-ce que tu as vu ces drones? Alors non, il n'y avait pas 20 drones pour coordonner les jets de pavés sur les policiers. Il n'y avait qu'un drone qui appartenait à un média indépendant. Et la deuxième question. Oui, pardon. Pourquoi tu penses que Darmanin utilise ce genre de moyens pour exprimer son opinion? Alors je pense que l'objectif de criminaliser les militants, il est assez présent pour encore une fois détourner le débat sur les violences et plus sur réellement la lutte contre la 69. Il faut savoir que cette histoire des drones, elle est arrivée quelques jours avant le passage en justice des soulèvements de la terre pour savoir si oui ou non il était dissous. Donc on a vu qu'il y avait une criminalisation de ces militants en parlant d'éco-terroristes, en parlant de drones coordonnés.
mais ce n'est pas arrivé sur place. Enfin, ce petit quiz offre l'occasion de faire le point sur les chiffres clés de cette infrastructure et encore une fois, vous allez le voir, des contestations sont présentes. Alors, il faut savoir que selon Atosca, 200 arbres ont été coupés pour construire cette autoroute, un chiffre qui s'avère être pour les militants à 1000. 8400 voitures devraient pouvoir emprunter l'autoroute, un chiffre descendu à 6000 pour les opposants. Ensuite, 450 millions d'euros serait le coût du projet, dont 23 millions pour les collectivités locales. Il faut savoir également que 15 à 35 minutes seraient gagnées par les automobilistes, selon une étude. Un chiffre qui a été surévalué pour les opposants. Enfin, il faut savoir que cette future autoroute fera 53 km. Alors, pour faire un point actu sur cette autoroute, la fin de l'année marque une victoire pour les opposants. Leur pétition abandon du projet d'autoroute a recueilli 50 000 signatures en un mois, c'est énorme. La commission du développement durable a donc voté pour l'ouverture des débats à l'Assemblée nationale. Je rappelle qu'en octobre dernier, 82% de la population concernée par l'autoroute était favorable à un référendum local. Merci Sam et Sharon. Des collectifs qui ne sont pas prêts de lâcher leur position. De nombreuses manifestations sont encore à prévoir dans la région. Protester comme moyen de faire passer un message, ils ne sont pas les seuls en Occitanie. Après une construction d'autoroute, on s'attaque cette fois-ci à celle d'une prison. À Muret, en Haute-Garonne, une deuxième prison est en projet depuis maintenant des dizaines d'années. Les riverains s'y opposent, mais le projet est encore en cours. Tara Yetz, Lucas Zemchounov, qu'en est-il de ce projet qui fait débat ? Bonjour à tous, bonjour Tara. Rassemblés il y a quelques temps, les Muretins ne veulent pas de cette nouvelle prison. Parmi les arguments avancés, un désastre écologique potentiel et les mauvaises conditions de la maison d'arrêt actuelle. Reportage. La colère gronde à Muret contre la construction d'une deuxième maison d'arrêt sur la place centrale de la ville. Les associations de défense des droits de l'homme et de l'environnement font lutte commune. Christophe Bex, député LFI, s'exprime sur le sujet. Pour moi, ce projet, c'est la vraie question, pourquoi on construit des prisons? Beaucoup de gens qui sont en prison, qui ne devraient pas être en prison. Parce que bien souvent, des gens vont en prison et quand ils sortent de prison, et c'est encore plus, on va dire, en violence que quand ils sont rentrés. Donc c'est une vraie question transversale, comment on organise une société? Quel est le rôle d'une prison? Quel est le rôle de la réinsertion? On est un des pays européens qui a le taux de récidive le plus élevé, avec un taux de détention le plus élevé. Donc il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans le système. Donc justement, la prison de Muret doit mettre le point là-dessus et d'engager un débat dans la région, mais même un débat national sur le rôle d'une prison, quel est le but d'une prison. À travers des discours, des tracts et même une pièce de théâtre en plein air, les riverains et les associations espèrent attirer l'attention sur le sujet et bloquer le projet avant la validation des travaux. De retour sur le plateau, nous sommes avec une riveraine de Muret à proximité du futur terrain de construction. Bonjour. Bonjour. Alors, selon vous, quel problème engendrerait la construction potentielle de cette nouvelle prison ? Alors, pour commencer, je représente un collectif, le collectif des riverains, essentiellement issu de l'agriculture. Donc, pour nous, la priorité, c'est de défendre des terrains agricoles. Il faut savoir qu'on fait partie d'un plan national de 15 000 places de prison et que ces prisons vont se construire uniquement sur des terres agricoles au jour d'aujourd'hui. Ce collectif nous a permis de faire un point avec les riverains, avec les Muretins pour leur faire comprendre le projet en cours. Face à des rassemblements et tout ça, nous avons informé la population et aujourd'hui, la prise de position du maire fait que beaucoup de gens se sont rassemblés derrière nous. Voilà. Donc ça permettait de faire suivre ce problème et de le faire savoir à plusieurs personnes, même qui côtoyaient peut-être Muret, qui n'étaient pas forcément au courant, c'est voilà, ça? C'est ça, beaucoup de gens étaient dans le... Ok, très bien. Alors du coup, est-ce qu'une construction comme celle-là, et celle-là en particulier, va régler le problème de surpopulation qui existe dans les établissements déjà actuels, même dans la région ?
le problème de la surpopulation ne va pas se régler avec une prison supplémentaire, puisqu'on sait qu'au niveau de Seyss, la surpopulation actuelle représente les 615 places de la nouvelle prison. Donc, il est certain qu'aujourd'hui, on pourrait prendre différemment le problème et se dire que ce budget utilisé pour un bétonnage pourrait être utilisé pour des peines alternatives, pardon, pas des peines alternatives, des alternatives. Voilà, qui... Voilà. Ok, très bien. Alors du coup, par rapport à ce fameux projet de construction, où est-ce qu'il en est aujourd'hui? Est-ce que les travaux sont déjà lancés? Qu'est-ce qui se passe actuellement? Alors actuellement, tout dernièrement, justement, dans la semaine, il y a eu un petit souci au niveau du... Plusieurs recours ont été lancés, et notamment sur la destruction de la faune et la flore. Donc aujourd'hui, il y a eu destruction effectivement sur le site en lui-même qui n'a pas été affiché, qui n'a pas été programmé. Donc aujourd'hui, c'est vrai que nous avons porté des recours et nous allons nous défendre. Donc, ce qui veut dire que, alors même qu'il y avait encore des recours en justice par les différentes associations, les riverains, etc., l'État a quand même décidé de défricher, de commencer à défricher le terrain sans panneau, donc dans l'illégalité. C'est bien ça? Dans l'illégalité, effectivement. Oui. Merci beaucoup. Merci à notre invité d'avoir témoigné. L'avenir nous dira si cette prison muretaine verra le jour malgré les nombreuses contestations. Enfin, après la prison, changement d'univers, nous allons parler de sport et handisport pour être plus précis. La France accueillera, vous le savez, en septembre prochain les Jeux paralympiques. Le handisport, suite à cet événement, pourrait connaître un plus grand développement futur dans le pays. Alors, inclusion dans la société, moyen de s'aérer l'esprit pour ces personnes. Amélie Marsan, Quentin Tonéati et Tom Passico sont allés à la rencontre de ceux qui se battent pour le handisport. Bonjour à tous et à toutes. Oui, effectivement, pendant un samedi du mois de novembre, je me suis rendu à Fenouillé, commune de la métropole toulousaine, pour assister à un tournoi de pétanque hors du commun. C'est du moins ce que je pensais avant de me rendre sur place. Ce tournoi de pétanque n'était pas du handisport, mais du sport adapté. La différence entre les deux, les sportifs adaptés ont un handicap mental, psychique ou intellectuel. Le handisport, quant à lui, est réservé aux personnes en situation de handicap physique. Dans les deux cas, des règles sont ajustées pour les différents sports. Je suis donc, malgré moi, arrivé au boulodrome en ayant des préjugés sur la pratique sportive à laquelle j'allais assister. Mais finalement, 52 participants, des arbitres, des éducateurs, une organisatrice, tout était aménagé comme un tournoi traditionnel. L'organisatrice en question, c'était Léa, une femme de 32 ans, salariée à la Ligue Sport Adaptée Occitanie. Cette ligue est dédiée au développement du sport adapté dans la région occitane au travers de plusieurs disciplines sportives. Léa m'a permis de mieux comprendre l'événement en cours, m'expliquant que l'ensemble des participants étaient atteints de troubles psychiques mentaux ou des troubles spectres de l'autisme. Donc au fil de l'après-midi, en discutant avec les différentes personnes sur place, je me suis rendu compte que la frontière entre un tournoi adapté et traditionnel était mince. Ils ont par exemple un entraînement hebdomadaire encadré par un éducateur pour se préparer aux compétitions à venir. L'objectif de l'ensemble des participants de la journée, se qualifier pour le championnat national prévu en juin 2024 à Nantes. Les joueurs proviennent de clubs d'un peu partout de la région, de la Haute-Garonne, de l'Aude, sans oublier le Gers et le Lot. L'ensemble de ces mesures fait écho à ce que l'on pourrait donc retrouver dans un tournoi traditionnel. Mais c'est surtout les bénéfices de cette journée apportés aux joueurs que je retiens. J'ai pu échanger avec Sébastien, 38 ans, atteint de troubles autistiques. C'était le grand gagnant de la journée avec 4 victoires pour autant de matchs. Il était très content de sa performance, mais surtout du lien social que lui permet de conserver ce type d'événement. Donc ce sentiment était partagé par l'ensemble des participants. Et lors de la remise des médailles, une vraie osmose positive et surtout de la bienveillance s'est fait ressentir. Donc j'ai trouvé ça vraiment touchant de voir une telle convivialité entre l'ensemble des participants à l'issue d'un tournoi fait de gagnants et de perdants. Donc l'idée globale est de permettre aux personnes en situation de handicap de sortir de leur quotidien sans négliger l'aspect sportif, le fer de lance de leur participation. Merci Quentin. Alors pour commencer, je vais vous dire qu'on est tous les trois des passionnés de sport. Donc notre première réflexion, c'était de trouver un sujet de sport pour évoquer un domaine dans lequel on était tous les trois à l'aise.
et on souhaitait partager ça à travers ce reportage et transmettre des connaissances complémentaires avec le sujet traité. Donc on s'est rapidement dit que ce serait intéressant de parler du handisport qui est très peu médiatisé de manière générale. À quelques mois de l'événement planétaire le plus important de l'année que sont les JO de Paris 2024, on a pensé que choisir plusieurs disciplines du handisport faisait sens. Donc on est allé à la rencontre de Michael Graal, le responsable de la section handisport tennis de table de la SPTT de Toulouse. On retient finalement que du positif de cette expérience. C'était vraiment hyper intéressant de parler avec lui, enrichissant, puisque Michael connaît des personnes et des professionnels dans le tennis de table qui ont notamment participé à des compétitions au niveau international. Et les connaissances de Michael dans ce domaine attestent de la véracité et de la qualité des informations que l'on a collectées. C'est une des raisons pour lesquelles on a choisi de faire le principal de notre sujet sur lui. Et personnellement, j'étais en contact avec Bastien Bulit, le président de l'association Iron Bast. Donc Bastien a 26 ans, il est atteint de la maladie d'Hunter 2 qui touche principalement les systèmes cardiaques et respiratoires. Et ce sont principalement les hommes qui sont atteints par cette maladie. Donc Bastien m'a reçu chez lui, c'est un jeune homme vraiment très jovial et déterminé dans tout ce qu'il entreprend. Il m'a raconté toutes ses expériences sportives avec ses trois acolytes, donc Nicolas, Dimitri et Alexandre, qui ont co-créé avec lui cette association. Donc le but est finalement de réaliser des courses de fond et de demi-fond que Bastien choisit lui-même. Et donc il est tracté sur un siège roulant qu'on appelle Joëlette, qui est tracté donc par deux personnes au moins. Et un des autres buts de l'association dans les semaines à venir, c'est d'acquérir une seconde Joëlette pour en faire bénéficier un second sportif pour les courses qui sont à venir. Et le prochain gros objectif pour Bastien est de participer au Marathon pour tous de Paris 2024. Ce serait en quelque sorte l'aboutissement de tout l'engagement pris depuis le début et depuis la création de l'association. Et je terminerai par dire qu'en plus d'être un sujet sportif, c'est aussi et surtout un sujet de société qui nous concerne tous, l'inclusion de tout un chacun malgré le handicap. Merci Amélie, merci Quentin pour vos témoignages. Le handisport a son événement, lui aussi. Les Jeux paralympiques se tiennent juste après les Jeux olympiques, tous les 4 ans. Tom va tester vos connaissances sur cette compétition. Et oui, merci Sam. On va désormais réaliser un petit quiz pour tester vos connaissances sur les Jeux paralympiques, un événement en lien direct avec notre thématique. Nous avons sélectionné un membre du public. J'invite Carla Ponce à venir nous rejoindre sur le plateau. Bonjour Carla. Bonjour Tom. On va directement ouvrir les hostilités avec la première question plutôt simple. Où auront lieu les Jeux paralympiques d'été en 2024? Réponse A, Londres. Réponse B, Rio de Janeiro. Ou réponse C, Paris? Il me semble que c'est la réponse A, c'est à Paris. Et c'est une bonne réponse. C'est dans notre belle capitale que les Jeux auront lieu. Deuxième question, quel est le symbole des Jeux paralympiques? La flamme olympique, la friche paralympique ou l'aigle paralympique? Il me semble que c'est la réponse B, sans grande certitude. C'est exactement la friche paralympique qui viendra servir de symbole pour ces Jeux. Prochaine question, combien de sports paralympiques sont prévus pour les Jeux de 2024? Réponse A, 20. Réponse B, 28. Réponse C, 32. Ou réponse D, 36? Alors, j'en ai aucune idée. Je vais mettre peut-être la réponse D, 36. C'est une mauvaise réponse. Il y aura 28 disciplines de prévues pour les Jeux paralympiques. Quel est le slogan officiel des Jeux de 2024? Réponse A, plus vite, plus haut, plus fort. Réponse B, passion connected. Réponse C, venez partager. Ou réponse D, Paris en marche? Je suis quasi sûre que c'est la C, venez partager. Et oui, votre intuition est juste puisque c'est venez partager qui servira de slogan officiel. Quel est le nom du stade principal qui accueillera les cérémonies de clôture des Jeux paralympiques de 2024? Le Stade de France, le Parc des Princes, le Stade Roland-Garros ou le Parc olympique de la Courneuve? Par déduction, je dirais le Stade de France, réponse A. Et oui, c'est effectivement le Stade de France qui servira de stade principal pour la clôture des Jeux paralympiques. Quel est le nombre total d'athlètes paralympiques qui ont participé aux Jeux d'été de 2020 à Tokyo? Réponse A, environ 3000. Réponse B, environ 4500. Ou réponse C, environ 6000. Je dirais la réponse A. Et c'est une bonne réponse, c'est un peu plus de 3200 athlètes qui ont participé.
Quel pays a remporté le plus grand nombre de médailles d'or aux Jeux paralympiques d'été en 2016 au Brésil? Réponse A, les États-Unis. Réponse B, la Chine. Ou réponse C, la Russie? Je dirais les États-Unis, réponse A. C'est une mauvaise réponse. Vous terminez par une mauvaise réponse, effectivement, puisque c'était la Chine qui a obtenu le plus de médailles d'or. Je vous remercie pour vos réponses et pour votre attention. Je laisse la parole à Sharon pour terminer ce pôle société. Un sujet en plein cœur de l'actualité. On compte sur vous pour suivre la prochaine édition des Jeux paralympiques à Paris. Et donc, c'est une rubrique société qui se termine, qui nous aura permis d'explorer des terrains divers et variés grâce à tous nos camarades des quatre groupes présents. Carla, Gabriel, on vous rend l'antenne. Comment ça, 100 000 € pour une saison motocross? Les circuits courts, une solution à l'inflation? Je comprends rien, Carla, explique-moi. Gabriel, ne t'inquiète pas, nos deux groupes vont tout expliquer en détail. Juliette va prendre l'antenne pour présenter le sujet économie. Préparez-vous à embarquer pour un voyage au cœur de l'asphalte avec la moto, un sport synonyme de sensations fortes, mais aussi malheureusement qui coûte beaucoup à ses pilotes. Perrine Nicolas, Domiti Perpère et Sharon Rouanet sont allés sur le terrain. Bonjour à tous, comme l'a souligné Tara, notre web documentaire concerne le sport extrême du motocross. Nous avons pris un certain temps avant de choisir ce sujet, car dans un premier temps nous voulions parler de l'urbex et en faire un lien avec un potentiel tourisme illégal. Cependant, ce côté illégal nous a rapidement bloqué sur le sujet. Et c'est pour ça qu'on a complètement changé d'air et on a décidé de choisir un sujet qui se rapproche plus de nous, plus de notre vie personnelle, le motocross. Ayant de la famille dans le milieu, Sharon ici présente a pu facilement trouver le sujet principal. Notre travail collectif a été de trier les informations potentielles et de trouver un angle qui montre une dimension différente que le simple sport. C'est pour ça qu'on a choisi d'angler notre sujet sur les nombreux enjeux du sport, qu'ils soient financiers, mentaux ou encore physiques. En d'autres termes, savoir ce qu'un passionné serait prêt à faire pour son sport favori. Pour compléter notre démarche journalistique, nous voulons faire un point sur notre prise de contact. Nous l'avons faite ensemble, nous sommes serrés les coups du début jusqu'à la fin, notamment pour trouver les interlocuteurs les plus intéressants pour l'écriture et la production de notre webdoc. Ce n'a pas été tâche facile, car le championnat d'Occitanie basé sur différentes catégories selon le calibre de la moto inclut une bonne centaine de participants. Il fallait alors oser pour trouver quelqu'un qui puisse parler ouvertement de l'enjeu financier par exemple, ou encore le rassurer pour qu'il puisse se confier sur ce qu'il a pu vivre dans sa vie. Mathéo, Paul, Kylian et plein d'autres nous ont permis la construction à base de témoignages solides pour nos articles. Et enfin, pour le choix de notre reportage vidéo, nous voulions aller voir une course pour être au cœur de l'action du sport. Le championnat se base sur deux thèmes différents, le championnat MX et le championnat Prairie. Et pour notre vidéo, nous sommes partis voir une course à Le Borne, la dernière du championnat. Il s'agit d'une course Prairie, c'est-à-dire sur terrain plat, sans saut. Pour ce faire, nous avons choisi de suivre le jeune pilote Byron Rouanet pour vivre une journée dans ses baskets et Paul Gautran, dont Sharon va nous parler tout de suite. Je suis ravie de partager avec vous un moment inoubliable du tournage de notre reportage. Au cours de cette aventure captivante, nous avons suivi de près un pilote du nom de Byron Rouanet, comme l'a dit Perrine tout à l'heure. Mais ce qui s'est passé sur la piste a dépassé toutes nos attentes. Imaginez-vous, en plein cœur de l'action, capturant l'essence même de la compétition. Alors que nous étions immergés dans l'univers palpitant du sport moto, un événement hors du commun a traversé sous nos yeux. Un pilote a dû prendre une décision difficile en pleine course. Sa moto s'est soudainement enflammée, créant un spectacle à la fois époustouflant mais aussi terrifiant. D'un geste de maîtrise et de sang-froid, il a pris la décision de s'arrêter en pleine manche. Un incident qui a non seulement souligné la nature imprévisible de ce sport, mais a aussi permis de mettre en lumière le caractère et la force de ces jeunes athlètes. Nous avons aussi été témoins de l'adrénaline, de la détermination et du courage qui caractérisent ces jeunes compétiteurs. Je vous invite ainsi à visionner l'interview de Paul Gautran qui aborde les conséquences et l'ampleur de cet événement marquant. Salut, moi c'est Paul, j'ai 20 ans. Je roule en 250 cm3, je fais le championnat Occitanie Prestige MX2 et je travaille chez KTM Castres.
Aujourd'hui, on se retrouve sur une course de prairie à Le Borne. Donc, c'était une course juste pour le fun, comme ça, pour rigoler. Ça s'est très mal passé pour moi. Le matin, la moto, elle marchait pas bien, j'avais pas de frein arrière. Du coup, on a réparé ça pour les manches, mais du coup, mon temps chrono était compliqué. Moi, j'ai fini aucune manche de la journée vu que j'ai eu des problèmes avec le frein arrière à chaque manche. J'ai eu un gros souci en dernière manche qui a fait que mon frein arrière s'est bloqué, comme toutes les manches. J'ai jeté la moto parce que j'étais un petit peu énervé. Et la moto en fait a pris feu dû à la surchauffe du frein arrière. Ouais, ça m'a un petit peu surpris au début parce que c'est quelque chose qui arrive pas en général, c'est pas trop normal une moto qui prend le feu normalement. Mais donc ça m'a un petit peu surpris. Mais après les commissaires se sont quand même vite occupés de la situation, donc ça s'est plutôt bien passé. Ça m'a pas forcément perturbé parce qu'après ouais, les commissaires comme j'ai dit se sont vite occupés de la situation. Après c'est vrai que j'ai vu pas mal de monde sur le bord de la piste qui avait l'air un petit peu choqué de la situation et qui n'avait pas l'air forcément d'avoir envie du coup de faire de la moto. Quand elle a pris feu, j'ai dû remplacer tout le frein arrière. C'est pas quelque chose qui m'a coûté énormément cher puisque je travaille chez KTM, j'arrive à me débrouiller au niveau des pièces et pour la main d'œuvre. Après, c'est sûr que le sport en général il coûte très très cher et heureusement qu'on a quand même pas mal de sponsors qui nous aident pour aider à financer les saisons. Mais sinon, ouais, c'est un sport qui coûte très cher et il faut faire attention au budget. Nous venons d'assister à un reportage qui a été réalisé avec Sharon Rouanet, qui a interviewé Paul Gautrand, que vous venez de voir à l'instant. En ce qui nous concerne, quand nous sommes arrivés sur le lieu du reportage, nous sommes arrivés avec quelques a priori, notamment pour ma part, car je ne m'y connaissais pas du tout dans le domaine de la motocross. Les filles avaient un peu plus de notions, mais quant à moi, c'était pas du tout le cas. Donc j'avais plusieurs a priori à ce sujet. Déjà, je pensais qu'il fallait obligatoirement être majeur pour pratiquer ce sport que je considérais comme quand même dangereux et extrême. Or, on peut commencer à en pratiquer très tôt, dès l'âge de 6 ans, dont Byron Rouanet, que nous avons pu interviewer, qui est aujourd'hui à 14 ans. Donc comme quoi, on peut le faire dès le plus jeune âge. Ensuite, on peut se dire qu'il est impossible de pratiquer ce sport quand on a des problèmes de santé, comme par exemple des problèmes cardiaques. Or, on a rencontré des pilotes qui ont des problèmes de santé et qui pratiquent ce sport, qui allie les deux. Au contraire, une pratique sportive, c'est important. Donc voilà, ce n'est que bénéfique. Ensuite, au niveau de la pratique, alors pour ma part, je pensais qu'il fallait rouler assis obligatoirement. Mais en arrivant sur le terrain, on a pu voir que les pilotes roulaient debout. Alors c'était assez surprenant. Par exemple, Paul, un des pilotes, il m'a dit qu'il vaut mieux être debout dans l'intégralité, sur l'intégralité du terrain, mais aussi dans les virages. Alors c'est hyper dangereux, hein, mais en fait, il m'a expliqué pourquoi. Ça permet de gagner en agilité et d'avoir un meilleur contrôle sur la moto et les jambes qui servent d'amortisseur, pardon, et cela préserve leur dos, donc aussi pour le côté santé. Un autre point important qui fait partie de l'essence même de notre webdoc, c'est le prix. En fait, on ne s'en rend pas compte, mais c'est un budget énorme, considérable. Et en échangeant avec Byron et Paul, ils nous ont dit que le budget moyen est de 15 000 euros, donc c'est quand même énorme. Alors heureusement pour eux, ils ont des aides financières, ils ont des associations familiales et Paul travaille à côté pour se créer un petit budget et voilà, donc ça lui permet aussi de financer son rêve qui est le motocross. Pour le terrain, aussi très important, il faut l'humidifier parce que la poussière qui apparaît quand on roule, eh bien, c'est hyper dangereux pour les pilotes, ça peut aller dans les yeux, donc il faut l'humidifier et voilà, pour éviter tout danger. Et c'est quelque chose que j'ignorais. Voilà. Également, un autre point, il faut que ce soit, il fallait que ce soit une passion transmise de famille, au sein de la famille pour réaliser ce sport, mais pas du tout. En interviewant certains pilotes, certains d'entre eux nous ont confié que ça leur est venu tout seul. Donc voilà, c'est pas une transmission familiale et on pourrait se dire que ce sport, pour le faire, il faut être un peu fou entre guillemets parce que c'est dangereux, il y a des risques en fait. Et moi je ne comprenais pas, on peut se demander qu'est-ce qu'il y a de plaisant là-dedans parce qu'on y perd de l'argent, sa santé, son physique. Mais en fait, une passion, ça ne s'explique pas. On la vit à fond. Et Paul et Byron m'ont tous les deux parlé de leur adrénaline sur le terrain, de se surpasser, qu'ils n'ont pas froid aux yeux. Et la passion, c'est vraiment au-dessus et c'est vivre l'instant présent. Merci.
C'est bon, ok. On sort de la boue, mais on reste sur le thème des circuits avec Sam Klein, Bleu N Avril et Paul Gazu qui vont nous parler des circuits courts. Messieurs, dames, bonjour. Bonjour. Donc pour expliquer rapidement ce que sont les circuits courts, donc c'est un mode de commercialisation des produits, donc généralement agricoles. Et donc ça implique une vente directe entre le producteur et le consommateur, ou alors une vente indirecte avec seulement un intermédiaire. Donc c'est un mode de vente qui s'est énormément démocratisé et qui a maintenant une place claire dans la consommation des Français. Ce système encourage la protection des agriculteurs et des producteurs locaux face au lobby des supermarchés et des grandes surfaces. Donc avec les nombreux interlocuteurs qu'on a pu avoir, on a compris que la crise de la Covid-19 a notamment permis aux circuits courts d'accroître leur influence. Idem avec les confinements et l'inflation sur les produits de consommation globale, les producteurs locaux ont vraiment pu tirer leur épingle du jeu. Les circuits courts connaissent de nouvelles demandes. Ils sont aussi encouragés par des nouvelles aides de la part du gouvernement et par une nouvelle dimension environnementale. Merci Blaine, bonjour Tara. Dans sa première définition, les circuits courts, le consommé local se veut plus responsable, plus proche des locaux. C'est ce que nous avons essayé de traiter au sein de nos articles. De l'explication des circuits courts au marché solidaire, nous avons fini avec un article sur la dimension responsable et écologique de ces circuits courts, du producteur au consommateur en moins de 100 km. Il se présente comme une vraie solution environnementale. De la vente au lieu de production au marché de la région, le chemin de distribution des circuits courts est spécial. Cette méthode rapproche les nouveaux consommateurs de leurs produits favoris, des fruits, des légumes, du vin, mais aussi des produits de beauté et d'hygiène. Rien n'échappe à la production locale et responsable, une mode qui n'est pas récente et qui s'étend sur les marchés depuis plusieurs dizaines d'années. Ces marchés sont le terrain de distribution principaux pour les circuits courts. À Toulouse, nombreux sont les marchands à vendre leurs produits. Nous retrouvons Paul Gazu en direct du marché de Saint-Cyprien. Paul, que disent nos producteurs ? Oui, nous sommes ici au marché de Saint-Cyprien à Toulouse. Tous les matins, les consommateurs retrouvent les producteurs pour récupérer leurs produits frais. Sur les étables, on retrouve des légumes, des fruits, du fromage et de la viande. Ces produits locaux sont le cœur des circuits courts, du producteur au consommateur, en un seul geste. C'est le cas ici de Fanny, qui vend de la viande. Fanny, qu'est-ce qui est important pour vous de venir sur les marchés et de vendre vos produits ? On pourrait faire la question, oui. J'ai pas entendu le début. Pardon. De la... Qu'est-ce qui fait que c'est important pour vous de venir sur les marchés ? Ça permet de trouver des produits travaillés dans de la meilleure des façons, en petite quantité et donc de façon soignée. En plus, du coup, on peut choisir plus facilement la provenance de nos viandes plutôt que quand on travaille du gros volume, quand je pense à de grandes surfaces ou autres. Et c'est notre force. Du coup, pour nous, la qualité est la meilleure des recettes. Et pour vous, quelle est la place des circuits courts dans la société actuelle ? Oh, très importante. C'est une recherche quotidienne pour les clients qui circulent ici dans le marché. C'est fondamental. On doit gérer et la qualité et la provenance des produits. C'est une demande permanente. Merci beaucoup. Pardon. Merci beaucoup. Les producteurs sont enthousiastes quant à la réussite des circuits courts et ce qui promet un bel avenir. Une suite donc prometteuse pour les circuits courts. Sam, comment avez-vous préparé ce documentaire ? Eh bien, écoute, le choix du sujet a été plutôt difficile pour arriver à l'angle des circuits courts. Pour être tout à fait honnête, notre première idée se tournait plutôt autour du monde du sport. On voulait s'intéresser à la santé mentale des sportifs professionnels, ou alors on avait un plan B qui s'intéressait à l'inclusion par le handicap. Mais un contretemps et plusieurs difficultés, notamment à trouver des contacts dans le milieu du sport professionnel, nous ont amené à nous intéresser à un sujet plus simple, mais aussi plus proche. Les circuits courts, on s'est donc tourné vers les circuits courts. On a cherché plusieurs angles, plusieurs sous-angles pour traiter ce sujet. Et puis nous avons commencé à prendre les premiers contacts. Notre volonté, elle était d'éclairer la partie peu visible des circuits courts, le chemin finalement qui va du producteur au consommateur. En plus de ça, l'aspect écologique et tous ceux à qui profite ce système.
La première chose que nous avons fait, c'était donc de contacter la racine des circuits courts. Par racine, j'entends les producteurs qui s'engagent dans le consommer local. Nombreuses productions se font dans ce domaine, allant du vin au miel, au fromage, aux légumes, aux fruits, etc. Donc le 1er novembre, jour férié, nous nous sommes levés à 6h du matin pour nous rendre sur notre terrain de reportage. La ferme du Ramier nous a ouvert ses portes pour qu'on puisse découvrir avec Paul et Bleuhen la fabrication du fromage montalbanais. Nous avons été satisfaits de ce terrain de reportage au sein d'une production plutôt réputée dans la région. Les attentes étaient hautes en termes d'informations et nous avons été comblés. Edith de Pierre, la cofondatrice de la ferme que nous avons rencontrée sous les lieux, nous a permis, avec tous ces témoignages, d'agrémenter tous nos articles ainsi que la vidéo de la première partie de notre web documentaire. Et donc, pour compléter cette première rencontre, on cherchait une production plus jeune et plus originale. Donc on s'est tourné vers Paul Pégot, qui est un producteur de champignons de Paris dans le Tarn-et-Garonne. Et donc, depuis 4 ans, il produit ses champignons et les distribue sur les marchés d'Occitanie. Donc à ce moment-là, on était assez fiers des rencontres et de ces deux premières rencontres et qui se sont montrées assez concluantes. Donc il nous fallait maintenant montrer le passage du producteur au consommateur. Donc on a entendu parler des AMAP, donc qui sont les associations pour le maintien d'une agriculture paysanne. Et donc c'était vraiment le lieu parfait pour montrer cette facette des circuits courts. Et donc les AMAP, qu'est-ce que c'est? Donc chaque semaine, les producteurs locaux viennent vendre leur panier, que ce soit de fruits, de légumes, de viande, d'œufs, etc., aux habitants qui, eux, se déplacent. Et donc, grâce aux informations qu'on a obtenues avec les producteurs de la MAP de Beauzelle, on a décidé d'y consacrer un article. Donc, avec tous ces reportages en poche, on a commencé à écrire les articles. Et donc, vu que notre travail de groupe marchait correctement, on a commencé à travailler sur les productions annexes, c'est-à-dire les vidéos, les sons et les infographies. Et pour les créer, on a utilisé donc les informations obtenues auprès des professionnels qu'on a rencontrés et nos recherches personnelles. Merci Sam et Bleuhen pour ces précisions. Ceci clôture donc cette partie et je vais laisser mes collègues et surtout mon collègue Gabriel reprendre la main. Merci Tara. Passons d'un sujet d'économie à un sujet dont la valeur est inestimable, la santé. Les problèmes d'ordre mentaux comme les troubles d'IS ou encore la phobie scolaire sont à mettre en lumière. Mais commençons par un peu de positif. Domitiri Perper et Tom Pasico, à vous l'antenne. Bonjour à tous, merci Gabriel. On commence tout de suite avec le pôle santé. On va d'abord commencer par la médiation animale, puis nous parlerons de la phobie scolaire et du TDAH. Alors, quoi de mieux pour soigner nos maux qu'avec les animaux? À la découverte de la médiation animale avec Carla, Lucie et Marie-Lou ici présentes. Alors Carla, d'où vous part cette idée? Quels ont été vos interlocuteurs et vos attentes dans ce projet? Alors, le thème de la médiation animale nous est venu assez rapidement, même si à l'origine, ce n'était pas notre choix initial. Donc, nous voulions plutôt axer notre travail sur ce qui était les refuges ou les associations qui venaient en aide aux animaux, comme la SPA notamment. Sauf qu'on a rencontré des petits problèmes, notamment au niveau de contacter les personnes, ça ne répondait pas. Mais en fait, on s'est aperçu qu'un éventail de possibilités s'ouvrait à nous et qu'on pouvait quand même garder ce thème de la relation entre l'homme et l'animal. Et entre l'homme et l'animal, avec pour autant trouver un autre thème. Et c'est là où ça a fait tilt, et c'est lors de mon premier stage à la Dépêche du Midi, donc pour la première année, que j'avais déjà rencontré une intervenante. Donc j'avais rencontré deux intervenantes, Marine Feletti et Edith Perrano, donc qui sont les deux à la tête de l'entreprise Média Canin. Donc Média Canin est spécialisée dans la médiation par l'animal. Et en fait, les objectifs de la médiation par l'animal, c'est très simple, ça permet d'apporter aux personnes du bien-être, de développer la dextérité, de stimuler les capacités cognitives, d'améliorer leur autonomie, ou même de créer ou de recréer des liens sociaux. Donc c'était vraiment des intervenantes idéales dans le cadre de notre reportage, et j'ai donc pu les suivre tout au long d'une journée pour voir leur travail. Et concernant mes attentes, je savais aussi que je m'aventurais parce que je les avais déjà rencontrées, et je savais que c'était des professionnels et que nous étions entre de bonnes mains. Merci Carla. Lucie, quant à vous, parlez-nous un petit peu de votre web documentaire, pardon, comment vous l'avez présenté? Bonjour et merci. Alors, moi, je vais aborder la structure du web documentaire. Elle est structurée en 3 volets. On commence par parler de Soli Ange, une personnalité assez originale. On la surnomme même la Brigitte Bardot du Sud-Ouest. On a décidé de l'écrire sous forme d'un article pour que ce soit le plus immersif possible, puisque nous l'avons rencontrée avec Marie-Lou, qui prendra le relais par la suite pour discuter de cette personne.
Ça prend la forme d'un récit captivant que nous avons donc rédigé. La deuxième partie, elle se consacre à la médiation animale et seulement à la médiation animale. L'article est illustré de plusieurs de nos photographies car on a passé plusieurs jours aux côtés de ces femmes qui pratiquent cette médiation animale. Elles témoignent beaucoup de ce rôle qui est crucial pour les animaux et pour les humains parce qu'il y a un bien-être pour l'humain et pour le développement des liens sociaux, comme l'a souligné Carla précédemment. Mais c'est un exemple concret parmi tant d'autres. Enfin, pour comprendre nos propos, il a fallu aborder les bienfaits scientifiques pour prouver tout ce dont on avait parlé auparavant. Nous avons intégré les preuves scientifiques à travers une infographie interactive. Plutôt que de rendre cette section fastidieuse, nous avons opté pour une représentation visuelle synthétique de nos travaux. Cette approche vise à captiver l'attention des lecteurs et à faciliter la compréhension du message que nous souhaitons transmettre. Notre recherche approfondie repose sur des lectures attentives de diverses sources telles que des dossiers, des thèses, des documents, nous permettant de croiser les informations afin d'avoir un web documentaire le plus représentatif possible et avoir une infographie précise. Nous avons segmenté les preuves scientifiques abordant d'abord l'impact sur la santé physique, puis ensuite les bienfaits pour la santé mentale. L'infographie propose également une expérience audio permettant aux lecteurs d'écouter les précieuses perspectives de Marine Grand-Georges, docteur en psychologie et maîtresse de conférences en éthologie à Rennes. Merci Lucie pour toutes ces informations captivantes. Et Marie-Lou, alors racontez-nous un petit peu votre rencontre avec Solly-Ange. Pardon. Merci Domiti. Alors effectivement, il y a 2 mois, nous avons fait la connaissance de Solly-Ange, directrice et propriétaire du domaine de l'association L'Arche de Noé de Solly-Ange. Alors oui, cette métaphore religieuse est prise au sérieux par l'octogénaire. Plus de 10 espèces animales différentes sont présentes dans les enclos du domaine. Alors des alpagas, biches, lamas, chiens, chats ou encore cygnes, tous cohabitent en paix. Et d'ailleurs, c'est un apaisement que ressent Solly-Ange au milieu de ces animaux. En talons aiguilles, plantés dans la boue, elle parcourt le domaine pour saluer chacun de ses animaux, ou encore, précise-t-elle, ses enfants. Un devoir qu'elle accomplit chaque jour, mais pour elle, c'est surtout un besoin. Elle nous raconte les problèmes familiaux qu'elle a rencontrés dans ses jeunes années, la solitude qu'elle a pu ressentir, un mal-être que l'affection des animaux de sa maison d'enfance ont su pallier. Dès son plus jeune âge, elle a créé un échange tout particulier avec les animaux à quatre pattes, un lien qui ne cesse de fonctionner. Comme on a pu l'expliquer précédemment dans notre web documentaire, le bien-être procuré par la présence des animaux n'est pas anodin. Solly-Ange en est la preuve. Pour elle, les animaux sont des êtres purs qui ne font que donner de l'amour. Tout de suite, un extrait de nos échanges. C'est une passion depuis mon enfance. Chez moi, chez mes parents, il y avait toujours des animaux. Il y avait des tourterelles, un chat, des chiens, tout le temps. Et je viens d'écrire mon 7e livre, là, qui est « Depuis l'incendie », parce que j'ai eu un très grave incendie il y a 4 ans qui a brûlé toute la maison. J'ai tout perdu. Mais ce qui me faisait le plus mal au cœur, c'était surtout les animaux. J'ai une cage avec 17 perruches qui a flambé, j'ai un cygne qui a brûlé, j'ai un des bambis là que j'ai sauvé, le filleul à Alain Delon justement, qui a été brûlé sur le flanc. Et moi, au lieu d'appeler les pompiers, je faisais sortir les animaux de la maison. Et les bambis, j'avais les chiens, les chats qui étaient dans la maison, je m'occupais de sortir tout le monde et puis j'appelais pas les pompiers, ce sont les voisins, quand ils ont eu ça, qui ont appelé les pompiers. C'est un rat qui a provoqué l'incendie. Un rat qui a mangé un fil à un frigidaire dans le garage et qui a fait court-circuit. J'ai eu des chats qui ont eu les pattes brûlées, mais que j'ai soigné aussi. J'en ai perdu un pendant 3 mois après on l'a retrouvé. Mes animaux, mes amours ou mes emmerdes, le titre de son prochain livre annonce la couleur. Il est alors flagrant que Solly-Ange et ses animaux représentent au final une véritable famille. Merci beaucoup Marie-Lou, Lucie et Carla pour votre présence et votre témoignage. Tout de suite, Tom, mon collègue ici présent, va nous présenter une nouvelle thématique, celle de la phobie scolaire. Et oui, bonjour à tous. C'est un fléau qui prend aujourd'hui de plus en plus d'ampleur partout dans les écoles en France. Donc, premièrement, pouvez-vous nous définir ce qu'est la phobie scolaire? Et dans un second temps, Fiona, Silla et Maëlle, quel a été votre vécu lors des différentes étapes de ce reportage et comment les victimes ressentent-elles ce fléau? Alors oui, en effet, la phobie scolaire, officiellement, c'est le refus scolaire anxieux. Ça touche le moral, le physique, mais aussi le psychologique. Ça peut se manifester par des crises d'angoisse, des nausées ou des vomissements. Ça peut aussi découler du harcèlement, comme de l'ennui. Bref, les raisons sont multiples.
Notre sujet, c'est comment les proches d'une victime de phobie scolaire ont pu vivre ou vivent encore aujourd'hui le trouble de leurs proches. Donc pour notre ressenti au cours des reportages, on est vraiment rentré dans l'intimité des gens, on est allé chez eux. Pour beaucoup, cette phobie scolaire est accompagnée d'anxiété et de dépression, donc c'est des choses assez personnelles qui peuvent être parfois assez stressantes. Il faut savoir mettre en quelque sorte une certaine distance entre nous et les personnes et garder son rôle de journaliste. Parce qu'en effet, on ne rencontre pas des professionnels, on rencontre des personnes avec un vécu et on est mis face à face avec ce vécu. Par exemple, Estelle nous raconte son annonce de diagnostic à ses proches. On a aussi interviewé son meilleur ami et son petit copain au moment des faits. Et quand les versions se croisent, on se rend compte de l'impact important de la phobie scolaire sur les proches. Alors, en ce qui me concerne, moi, j'ai pu rencontrer les psychologues et ça m'a beaucoup impressionnée parce que de base, moi, c'était un sujet inconnu. Je ne connaissais pas du tout. Donc, il faut savoir que la phobie scolaire, c'est un trouble qui est assez lourd et c'est pour ça que ça m'a touchée de rencontrer des professionnels parce que j'ai ainsi pu comprendre comment ça se passait dans la tête des personnes concernées et jusqu'où ça pouvait aller parce que, comme l'a dit Fiona précédemment, ça peut donner de l'anxiété, de la dépression ou même parfois des pensées suicidaires. Et donc avec ces rencontres, j'ai compris pourquoi un accompagnement psychologique est important, mais également une aide à la rescolarisation. Et alors au cours de notre reportage, on est aussi allé au cours Molière à Blagnac. C'est une école qui est hors contrat et qui est spécialisée dans l'accompagnement des jeunes qui ont des problèmes à l'école, comme notamment la rescolarisation des élèves en phobie scolaire. Et on a pu échanger avec la directrice Virginie Glodieux qui nous a expliqué qu'elle faisait en sorte de s'adapter et de connaître toutes les situations de ses élèves. Et notamment, ça lui permet pour les élèves en phobie scolaire de pouvoir adapter leur emploi du temps, d'aller en cours qu'une partie de la journée, qu'une partie de la semaine, de n'aller en cours que sur certaines matières. Et c'est assez intéressant de voir la flexibilité que être hors contrat peut permettre à une école. Alors, on a bien conscience que c'est des aménagements qui ne sont pas adaptables dans tous les établissements scolaires, notamment dû au fait que généralement ils sont plus grands et aussi qu'ils ont des obligations vis-à-vis de l'éducation nationale. Mais on a trouvé ça intéressant de voir comment certaines personnes qui avaient envie d'aider le faisaient et ça nous a beaucoup redonné espoir. Merci beaucoup pour ces explications. Et justement, avez-vous des préjugés quant à ce sujet et quelle est à l'heure actuelle votre perception sur la phobie scolaire? Alors forcément qu'on avait des préjugés, c'est vrai que c'est un sujet qui est très peu connu dans les médias et donc toute personne peut avoir des préjugés dessus. Nous les premières, par exemple, moi j'avais pas conscience d'à quel point une phobie scolaire ça pouvait affecter le rapport d'une personne avec l'école. Je savais bien que forcément c'était difficile d'aller à l'école pour les personnes qui faisaient des phobies scolaires, mais on a du mal à se rendre compte d'à quel point ça peut les affecter. Rien que parler de l'école, ça peut être difficile. Certains finissent même déscolarisés, comme Léo, qu'on a rencontré au cours de notre reportage, qui a dû finir son année de terminale au CNED, en école à la maison. J'avais aussi du mal à imaginer l'ampleur de l'accompagnement psychologique qu'une phobie scolaire pouvait demander. C'est super important d'être accompagné parce que c'est des troubles qui peuvent être très lourds, qui peuvent parfois s'accompagner de dépression, de troubles anxieux, comme l'a expliqué Cilia. Et du coup, pour les personnes touchées comme pour leurs proches, c'est très important d'avoir un suivi avec un ou plusieurs professionnels pour comprendre ce qui se passe et essayer de trouver des solutions adaptées tous ensemble. Alors forcément, j'en avais aussi au départ. Pour moi, la phobie scolaire, c'était simplement la peur d'aller à l'école. En général, je pensais que ça venait du harcèlement scolaire et que lorsque les élèves y restaient chez eux, ils pensaient que ça allait disparaître, diminuer tout ça. Donc pour moi, c'était pas grave non plus. J'imaginais pas non plus que les proches, ils étaient touchés de près ou de loin par ce fléau. Et à la fin de ce reportage, j'en suis ressortie avec une autre vision. C'est-à-dire que j'ai pu apprendre que justement, c'est pas du harcèlement, c'est plus grave. Chaque personne est différente et peut cacher sa phobie. Et les personnes atteintes peuvent avoir besoin d'aide et parce que c'est pas du tout à prendre à la légère ce fléau. Pour ma part, ce qui m'a le plus touché au niveau de ce reportage, c'est que mon principal préjugé, c'était que la phobie scolaire découlait du harcèlement ou du fait d'obtenir des mauvaises notes à l'école. Et au final, pas forcément, l'ennui peut aussi provoquer une phobie scolaire.
Numériquement parlant, par exemple, les HPI sont les personnes les plus touchées par la phobie scolaire. Parce que comment ça fonctionne dans le cerveau d'une personne HPI, c'est que l'ennui va provoquer des remises en question existentielles. Et à force de ces remises en question existentielles provoquées par l'ennui à l'école, la personne va finir par redouter l'école. Ça a été le cas de Estelle, la première personne qu'on a interrogée sur le sujet, qui elle est HPI et la phobie scolaire est vraiment due à cet ennui. Et c'est le cas de Léo qui n'avait jamais réellement compris sa phobie scolaire et au final sa psychologue l'a diagnostiqué HPI un peu tard en terminale, mais ça expliquait vraiment pourquoi il avait développé une phobie scolaire. Ça m'a vraiment en fait sorti en quelque sorte de ma bulle, de me dire ce qu'était la phobie scolaire comme je l'appelle telle que je la pensais, pardon. Et nous avons d'ailleurs préparé un vrai ou faux avec une psychiatre. On vous propose donc de tester vos connaissances sur la phobie scolaire. On a sélectionné 3 questions. On va vous les poser et vous verrez la réponse de la médecin. Donc la première, la phobie scolaire, c'est juste avoir la flemme. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que c'est faux, honnêtement. Je pense que c'est pas du tout les symptômes ni la manière de laquelle elle se manifeste. Donc... voilà, que penses-tu, Domitié? Je suis assez d'accord avec toi, pour le coup, la flemme n'est pas une cause, je pense, de la phobie scolaire. Alors, pas du tout. La phobie scolaire, en fait, le vrai terme actuel s'appelle le refus scolaire anxieux. Donc, c'est une incapacité d'aller à l'école ou d'aller sereinement à l'école, parce que certains arrivent quand même à y aller avec des symptômes de phobie scolaire. Mais ce n'est absolument pas un caprice. Le caprice, l'enfant qui fait un caprice va pas vouloir, mais une fois qu'il y est, il va passer une journée normale. Le phobie scolaire va être en souffrance toute la journée. Deuxième question, de plus en plus de personnes sont atteintes de phobie scolaire. Je pense que c'est vrai. Je ne pourrais pas dire les causes ni les conséquences, mais je pense que cette affirmation est vraie. Je pense aussi que c'est vrai. Peut-être que le harcèlement n'est une cause. Voilà, je pense que c'est vrai aussi. Vrai. On observe une augmentation considérable du nombre de phobies scolaires. Deux grands phénomènes à cela, l'insécurité globale de la société actuelle. Le harcèlement scolaire qui prend des proportions très importantes, en particulier en cycle 2 et cycle 3, cycle 4, c'est-à-dire du CE2 à la 3e, qui va entraîner bien sûr plus de harcèlement, plus de phobie scolaire. Et troisième volet très très important depuis 4 ans, c'est la phobie scolaire des lycéens, en particulier depuis la réforme du bac au lycée général, avec une pression qui fait que du premier jour de la première au dernier jour de la terminale, les élèves ont l'impression de passer le bac en permanence. Troisième question, la pression plus l'attitude trop autoritaire de certains enseignants peut créer de la phobie scolaire. Oui, je pense, oui, complètement. Ça peut faire peur. Et ça peut faire peur, on peut être buté. Je pense, oui. Effectivement, parce que chaque enfant est différent, chaque enfant a sa manière de réagir face à l'autorité, donc je pense également que cette affirmation est vraie. Oui. Complètement vrai. On observe avec cette réforme du bac notamment, il n'y a pas que ça, mais notamment, un gros stress chez les enseignants du fait des réformes et des applications qui changent tous les jours. Cette pression, ils la transposent sur les élèves. Ils ont parfois, effectivement, sans forcément tous le vouloir, des attitudes qui peuvent être très néfastes sur l'équilibre psychologique des élèves, puisqu'ils transfèrent leur pression sur les élèves eux-mêmes, qui ressentent encore plus cette pression. Et il est sûr que si on arrivait à diminuer cette pression globale dans les lycées, on aurait beaucoup moins de phobie scolaire par burn-out. On passe désormais au dernier sujet de notre pôle santé. C'est un trouble que certains d'entre vous connaissent sûrement, touchant autant les adultes que les enfants, à la découverte du TDAH avec Gabriel Bétal, Charles Cavaillès et Mathis Baumann. Bonjour à vous trois. Bonjour. Bonjour. Donc on va d'abord réaliser une série de questions-réponses pour en savoir un peu plus sur votre expérience quant à ce reportage. Donc première question,
Pouvez-vous nous expliquer ce qu'est le TDAH ? Ben, d'abord, le TDAH, c'est 4 lettres pour trouble déficitaire de l'attention et de l'hyperactivité. On la représente souvent via 3 symptômes, donc l'inattention, l'hyperactivité ou encore l'impulsivité. En effet, Gabriel, le TND comprend les troubles 10, l'autisme, les troubles de développement intellectuel ou encore notre fameux TDAH. Celui-ci peut être dur à vivre. L'apprentissage est plus difficile dû à une baisse d'attention. Elle peut également impacter les relations sociales. Typiquement, l'impulsivité peut faire agir ou parler sans réfléchir. Merci beaucoup pour ces explications. Et justement, quel a été le moment le plus marquant de votre web documentaire pour chacun d'entre vous ? Personnellement, c'est sans doute notre reportage dans l'école de lettres. Quand nous sommes arrivés, il y avait une ambiance assez particulière. Après avoir ouvert la porte, on voyait des têtes d'enfants dépassées, c'était assez drôle. Mais aussi, il y avait quelque chose... une ambiance assez folle du fait que la maîtresse, elle laissait partir les enfants quand ils voulaient du cours pour le stress, pour les laisser décompresser. Voilà. Moi, c'est toujours à l'école de lettres, mais cette fois-ci, c'était pendant l'interview de la fondatrice, Marie Zevaco. Un enfant est venu nous déranger en pleine interview parce qu'il venait récupérer son plat. Donc, il s'appelait Nicolas, il a 11 ans. Et pendant à ce moment-là, on est en train d'aborder le sujet du regard des autres et du regard des enfants par rapport au TDAH. Et elle nous a dit de lui poser donc directement la question, chose que j'ai faite. Et il nous a répondu que le regard des autres l'importait peu et qu'il s'en fichait. Il a également dit que selon un regard, selon comment les gens le regardaient, il était capable de voir si les personnes en face le jugeaient ou pas. Alors de mon côté, c'est toujours à l'école de lettres que ça se passe. Mais j'aimerais aborder surtout la manière d'enseigner aux enfants qui est totalement différente par rapport aux autres écoles. En effet, il y a une possibilité d'adapter les cours avec la possibilité de l'arrêter, ce fameux cours, pour permettre aux enfants de se défouler dans une pièce qui est prévue justement à cet effet. Merci beaucoup. Et justement, question plutôt évidente, pourquoi avoir choisi ce sujet ? Le choix provient avant tout de moi. Ma copine a un TDAH et je voulais en savoir plus pour moi personnellement mieux m'adapter par rapport à elle, et aussi puisque c'est un sujet que j'estime très intéressant. En ce qui me concerne, je ne connaissais pas du tout le TDAH, donc après que Gabriel m'en ait parlé, j'ai fait quelques recherches et je me suis rendu compte que c'était un sujet qui était très peu mis en avant. Donc ça m'a intrigué et j'ai décidé de suivre Gabriel dans son idée. Alors de mon côté, je connaissais l'existence de ce trouble, mais je voulais en savoir plus et le connaître un peu plus en profondeur. Et c'est donc pour ça que j'ai accepté directement cette proposition. Parfait, on écoute désormais une chronique de vous, Charles, qui allait nous exprimer votre ressenti quant à cette expérience. En effet, donc dans un premier temps, on appréhendait totalement la manière dont on allait aborder ce sujet. Et si vous voulez savoir pourquoi, c'est tout simplement parce que le TDAH est un sujet qui est très peu médiatisé. Donc il y avait plusieurs éléments notamment à prendre en compte. Par exemple, les autorisations qu'il fallait qu'on ait pour aller voir les écoles. Donc c'est un sujet très important et qu'il ne fallait pas négliger. Donc après avoir fait toutes les recherches et avoir réussi à trouver les écoles et les familles qu'on voulait viser, on a donc obtenu notre première interview. On s'est donc rendu à l'école Les Didascalies à Toulouse, qui est une école pour les troubles 10 ainsi que pour les enfants atteints de TDAH. On fait notre interview et à la fin, on s'est rendu compte qu'on avait beaucoup trop d'informations sur les troubles 10 en général et pas assez d'informations sur notre sujet principal qui était le TDAH. On s'est donc demandé s'il ne fallait pas changer notre angle et plus venir sur le côté troubles 10 en particulier. En même temps, on avait organisé d'autres interviews, dont celle de la famille Godet, qui s'est déroulée à Grenade, où nous sommes allés, donc c'est à 10 minutes de Toulouse. Nous nous sommes rendus dans une famille de 5 personnes, tous atteintes de TDAH. Et c'est à ce moment précis que j'ai compris le principe important d'un diagnostic sur un trouble comme celui-ci. Tout ça notamment grâce à notre interlocutrice principale, qui est Claire Godet. Donc à la fin de cette interview, on avait largement assez d'informations pour faire tout notre webdoc et seulement sur le point de vue d'un parent. Or, on voulait aussi le point de vue d'un enfant. On a donc contacté l'école de lettres à Toulouse qui nous a gentiment ouvert ses portes et permis d'interviewer le petit Evan, 10 ans, qui était diagnostiqué depuis seulement quelques jours.
Nous avions donc toutes les sources qui nous manquaient et on a pu finaliser notre sujet. Merci Charles. On termine cette présentation avec un petit quiz présenté par Mathis Baumann. Alors avez-vous été attentif ? Merci Tom. Pour terminer, je vais vous présenter un petit quiz que nous avons préparé tous les trois en amont. Avant de commencer, je vais vous rappeler que vous pouvez jouer chez vous derrière votre écran directement dans la section commentaires de ce live. Première question. Que signifie acronyme TDAH ? Torsion des articulations et des hanches. Réponse A. Trouble déficitaire de l'attention et de l'hyperactivité. Réponse B. Trouble de l'alimentation d'un hippocampe. Réponse C ou la réponse mystère. Je vous laisse quelques petites secondes pour répondre. Avant de découvrir la réponse, voyons ce qui se cachait derrière la réponse mystère. C'était tacos dans un abri sécurisé. Vous l'avez deviné. Vous l'avez deviné, la bonne réponse était la réponse B, trouble déficitaire de l'attention et de l'hyperactivité, comme Gabriel l'a précisé plus tôt. Question suivante. Dans quelle école sommes-nous allés en reportage ? L'école de lettres orthographiée comme la lettre de l'alphabet, réponse A. L'école de lettres orthographiée comme le verbe être, réponse B. L'école de lettres orthographiée comme l'arbre, réponse C. Ou la réponse mystère. Encore une fois, quelques petites secondes pour répondre. Les réponses sont closes. Avant de découvrir la réponse, voyons ce qui se cachait derrière le point d'interrogation. C'était l'école de lettres sous Amance. Vous l'auriez deviné, la bonne réponse était la réponse C, l'école de lettres comme l'arbre. Cette école, au passage, a été créée en 2021 et a accueilli une soixantaine d'élèves cette année, une classe de CM2 et une classe de 6e. On enchaîne avec la troisième question. Dans la famille Godet, combien de personnes ont le TDAH ? Seulement les enfants, réponse A. Seulement les parents, réponse B. Tous, sauf la mère, réponse C ou la réponse mystère. Voyons ce qui se cachait sous le point d'interrogation. C'était toute la famille et c'était également la bonne réponse. Il est important de préciser que le TDAH peut être héréditaire. Et c'est parti pour la dernière question de ce quiz. Pourquoi avons-nous choisi ce sujet ? On a fait plouf plouf, réponse A. La copine de Gabriel a un TDAH, réponse B, car j'ai moi-même un TDAH, réponse C, ou la réponse mystère. Derrière le point d'interrogation se cachait, je l'ai vu dans l'horoscope. Vous l'avez deviné, la bonne réponse était la réponse B, la copine de Gabriel a un TDAH. Merci pour votre écoute et votre participation. C'est la fin de ce quiz. Merci à tous et surtout merci à vous trois pour cette présentation. Je laisse la parole à Carla et Gabriel qui vont clôturer cette ISCP Live. Et voilà, c'est déjà la fin de ce ISCP Live. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Pour nous, c'était le cas. Merci Gabriel. Merci Carla. Et surtout un grand merci aux équipes pédagogiques, l'administration, à Pierre Vincenot. On souhaite une bonne continuation à Sophia Rutunian et félicitations à Rose Lecomte. Au revoir. Et bonne fête. Et félicitations à Paul. Wouh.